politique, je pense que extrêmement faible, yo pas encadré, et je pense que yo trop tout. Je pense que c'est trop, mais là, je vais prendre une décision pour me dire que moi, je veux changer le système, non, mais je vais toujours suggérer ça, parce que l'organe 50-60 partis politiques, l'organe 19 candidats, je trouve pile. Pense que entre eux, ils ont été structurés. Mais là encore, nous avons plutôt accompagné eux pour eux-mêmes, pour eux venir avec un projet, pour eux venir plus solide, pour eux renforcer le parti politique. CPA, j'en mettais à, nous tous nous d'accord qu'elle n'est pas bon. Nous tous nous d'accord qu'elle n'est pas bon. Et nous croyons que depuis 87, toute élection, toute CEP qui met en place, toute élection qui fait là, il y a nos raisons pour que nous, levez voile aujourd'hui. Nous pensons que nous-mêmes, dans fusion, il y a nécessité pour nous mettre au CEP de consensus en place. Au CEP, côté que nous avons confiance, mais ce n'est pas là, nous pensons que nous avons une forme pour nous mettre là aujourd'hui. Puisque nous pensons que le problème du pays aujourd'hui a dépassé la question de l'élection, nous avons demandé au président, est-ce que il n'est pas trop tard, non? C'est ça, nous avons toujours demandé, est-ce que nous n'avons pas initié un pacte de gouvernabilité à partir d'aujourd'hui, pour nous apprendre initiative là pour nous dire dialogue là commencé là. On a commencé dialogue là, mais il faut mieux organiser. Il faut mieux organiser pour nous gagner une institution qui a mené dialogue et qui a géré pour permettre que nous arrivions au pacte de gouvernabilité réel pour tout problème pays. Nous capables, l'aime dit tout problème là, point qui fait problème dans le pays, point qui fait problème dans la gouvernance nation pour que nous capables de mettre pendant sous table pour que ensemble nous discutions pour nous guider vers pacte de gouvernabilité. Nous avons proposé que différents secteurs qui présents là, que ce soit le gouvernement, que ce soit s'il y a des représentants suffisants du Parlement là, s'il y a des représentants du pouvoir judiciaire, les partis politiques, la société civile, ils sont réunis entre eux et ils ont prononcé sur les points suivants. Premièrement, si vous êtes capable de prononcer sur le principe de dialogue bilatéral, ça a, dans un premier temps, avec un comité de facilitation. Deuxièmement, vous êtes capable de venir avec des propositions sur la composition de ce comité de facilitation, avec des personnalités respectées, respectables, au-dessus de tout soupçon, qui sont capables d'aider, faciliter le dialogue, ça a. Et troisièmement, ils sont capables de prononcer sur les structures qui pralent engager le dialogue. Ça. Faut nous avoir pas qu'à commencer par les jeudis, sans y pas rappeler que il était exclu dans différents processus électoraux qui fait passer. Ni ça 2005 là, ni ça 2009 là, ni ça 2010 là, qui donc c'était une majorité qui était exclue. Pour former la valance, je dis, ni constitution amendée qui éliminait toute forme de participation populaire, ni conseil électoral permanent, c'est aboutissement au processus exclusion. Qui donc, il y a nécessité pour correction portée dans la situation ça. Et correction, c'est inclusion dans le respect normes avec principes démocratiques. Rivé dans l'inclusion, ça m'a dit un dialogue. Nous avons pu nous parler de dialogue jeudi, dialogue ouvert, sincère, en pile tolérance entre membres, partis politiques et société civile qui concernent. Nous n'avons pas qu'à gagner un dialogue dans la fuite en avant. Nous n'avons pas qu'à gagner un dialogue si une négociation qui considérait ça qui fait là, les fêtes et les fêtes nettes. Famille la violence pour finir, famille la violence a dit. Les croient dans le dialogue. Il est toujours à demander dialogue et il est prêt pour participer. Non, dialogue tout bon vrai. Un dialogue ouvert, sincère, tolérant, pour nous arriver justement, joindre, inclusion, tout bon vrai, pour nous aller dans la direction, bonne élection, libre, honnête, démocratique. Moi, ce que je dis, hein, que réunion ça, c'est en ouverture d'un dialogue et que le dialogue n'est pas fini. Au terme des débats, la synthèse s'impose.
Je rassemble les points communs et je tire les conclusions. 1. Nous désirons tous ardemment consacrer la séparation et l'indépendance des pouvoirs d'État et travailler sans relâche au renforcement des institutions républicaines et démocratiques. 2. Nous tous, pouvoirs d'État, partis politiques, organisations de la société civile, organismes des droits humains, nous voulons aider les institutions démocratiques à atteindre le plus rapidement possible une vitesse de croisière et un niveau efficace et idéal de fonctionnement. 3. Le président de la République ne peut s'immiscer dans les affaires internes d'un autre pouvoir, législatif ou judiciaire. Ce serait violer leur indépendance et attenter aux règles constitutionnelles et légales. À cet égard, soyons clairs, puisque c'est à ce niveau que se dresse l'épine irritative où se situe le nœud gordien de la conjoncture. La lettre de transmission et le procès-verbal signé des 5 membres du CSPJ font foi jusqu'à inscription de faux. Ils apportent la confirmation irréfutable que les 3 représentants de ce pouvoir ont été choisis à la majorité requise. Le contraire aurait reçu une fin de non-recevoir de la part du chef de l'État, responsable de la bonne marche des institutions. Les élections constituent le passage obligé, la voie sacrée pour l'exercice et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit. Et la seule instance apte à les organiser actuellement en Haïti ne peut être que le Conseil électoral permanent, en vertu de la Constitution amendée en vigueur, ainsi que la loi électorale, elle aussi en application jusqu'à ce jour. Laquelle loi électorale a clos définitivement la liste des conseils provisoires? Convenez avec moi qu'évoquer aujourd'hui la seule possibilité du provisoire reviendrait à reconnaître la défaillance de l'état de droit auquel nous aspirons. À cet égard, je propose que le dialogue déjà ouvert avec les présidents des 2 chambres s'étendent aux présidents des commissions et des groupes parlementaires en vue de la désignation des représentants du pouvoir législatif. Toujours dans un esprit d'entente patriotique et d'opportunité politique, que le dialogue se poursuive avec les partis politiques et la société civile, que les rencontres se multiplient afin de rétablir la confiance au sein de cette institution à peine mise en place et que tous ensemble, nous puissions participer à l'organisation des prochaines élections qui devront être démocratiques, libres et indépendantes. Dans pile intervention, il y a des gens qui font... qui évoquent le fait que c'est pas un problème permanent. Il y a un problème avec crédibilité, mon yo. Il y a un problème avec processus là. J'en le fait là. Donc bon problème de confiance. Je pense que il faut que nous mettions tous les moyens disponibles pour que tout acteur
qu'à entraîner un vote là en confiance. Si c'est une question de confiance, nous allons continuer le dialogue là. Nous allons continuer à faire ouverture pour entrer, pour nous mettre confiance là, pour nous établir confiance là. En pile intervenant dit que ce n'est pas une question de permanent ou de provisoire. Quoique nous-mêmes, d'après Santos dit là, provisoire là au passé. Mais pour nous avancer, l'impératif que tout le monde sente confortable. Il faut toute partie politique sente à l'aise. Donc nous pouvons continuer le dialogue là avec les différents secteurs pour nous assurer que tout le monde est confortable. Parce que l'idée, c'est d'arriver, vivez pas aux élections.